abonye ko ikipe zote zirangana nda difference ya ma ikipe buriya ni mentale gusa ni mu mutwe gusa y'abakinyi ariko bakinyi bose bari mu niveau imwe abonye ko muri APR hari abakinyi benshi bari muri ekipe nationale kandi bari bagiye muri competition nta numukinyi umwe ari mu ekipe nationale muri Kivu ariko mwabonye ukuntu bakinyi Jabel. Oui, Jabel, il a senti quelque chose dans l'ischio-jambier. On va voir avec le médecin. Demain, il va aller à l'hôpital pour faire une radio et on verra ce que ça va donner. Coach, mon gagné na Aperi. Vous savez que vous êtes un agitateur pour les Cameroun Mutino. Rendez-vous à nous pour que vous nous avez goûté Mutino. Ouais, puis d'abord tu es chez moi, Kabis. Tu as tous les coups images, tu as été. D'abord, tu es chez moi, frère. J'appuie hier, mon coach. Nibintu byinshi byafuye hawo sinshobora kubivugira ngaha bitatu bitatu byapfuye kugira ngo utabone amanota atatu kuri APR twabonye mu gice cya kabiri hari ukuntu wa Dominique kagira hejuru yayo twabuze amahigwe urazi numero 9 wacu ntabwo yari tayari urebye neza yarushije igitego vraiment cyari igitego n'ikindi imana ndi ntabwo yashatse ko tugitsinda afite ibitego bibiri nabonye ko twari kubitsinda ariko byanze kwinjira Coach nago twabonye wari usanzwe ari captain wa Panani Jean-Pierre niki kibazo ni tactique kumuhindura cyangwa no kafite ikibazo Oya afite imvune niyo mpamvu atakinye no munsi Twabonye ibyemezo by'umusifuzi bitabashimishaga rimwe na rimwe ku makosa mwebwe mutabonaga ari amakosa commentaire ku musifuzi Nta commentaire nagira ku musifuzi yakoze akazi kiwe nimba ndasifuye yatanze amakarte kuri APR arazi impamvu wenyine byo sinshobora kubikomentaho Coach ni nkaho wenda Sale ishimwe wenda Sale ukina ku Rwanda nyinshi ngende bataje muri 18 azamo Martin Fabrice umukinnyi mushya Martin wamubonye gute unatubwiye kuri Sale niba taragufashije mu myitozo Martin murazi ko ni umukinnyi mwiza ariko aracyabura competition amaze iminsi myinshi atakina twamushyizemo inyuma kugira ngo aze abone rythme kimwe n'abandi buhoro buhoro ariko ndaragira niveau yiwe Sale, kubaka ekipe nshasha buriya bifata umwanya muremure cyane ndimo ndiubaka Kiyovu harimo abajene benshi nifuza ko muri retour bazaba bari tayari kugeza kuri ubu ngubu ni nkiyihe view ya ekipe yawe ni urabona urwego igezeho uri kubona ari urwego rumeze gute navuga ko ifite progress irimo iranshimisha kuko ukuntu twatangiye n'ubu ngubu hari difference nini ya cyane Usibyo Kiyovu se andi makipe wenda mu Rwanda igihe wamaze uri kubabona gute uri kubona Kiyovu izabasha guhangana kugeza kuri finali niki ubundi Kiyovu yagusabye Rega ekipe zose mu Rwanda zirangana Ni wabonye match uno munsi zirangana Match uno munsi yakoreze iki Je nabonye ko ekipe zote zirangana nda difference ya ma ekipe buriya ni mentale gusa ni mu mutwe gusa y'abakinyi ariko bakinyi bose bari mu niveau imwe Nibaza ko mwabonye ko muri APR hari abakinyi benshi bari muri ekipe nationale kandi bari bagiye muri competition nta numukinnyi umwe ari mu ekipe nationale muri Kivu ariko mwabonye ukuntu bakinye njye nibaza ko muri retour Kivu izakina neza kurusha ubu irimo irakina kuri wowe nta mukinnyi uri ku rwego rwo gukina muri nationale uri mu Kivu ubu ngubu sinavuga kuko ndabundi umutoza wa ekipe nationale wenyine we azareba abakinyi akeneye muri Kivu ubona barimo jewe On est ici, 18 na ikuye kugira ngo ikine na ape. Ni manari umutoza wa ekipe nationale. Nari kwashyira bose. Asante. Merci. Match nul avec Kiyovu. Quelle est votre réaction? Match nul, un point mieux que rien. Vraiment, on aurait dû avoir plus. On aurait dû avoir les 3 points, comme vous avez vu. Première mi-temps. On a été au camp de Kevo. Deuxième mi-temps au camp de Kevo. Aujourd'hui, on n'a pas été efficace et on a eu la malchance, les deux.
Vous avez vu combien d'occasions on a créées, combien de fois on est arrivé au tiers défensif de l'équipe de Kievo. On a eu un pourcentage trop élevé de la possession du ballon. Sur la phase offensive, on a été costaud, on récupère le ballon trop vite, on attaque. On a eu la malchance, manque d'efficacité, on doit travailler sur ce secteur-là. Ça fait partie du jeu. Hein. Qu'est-ce qui manque? Mais j'ai dit ce qu'il manque. Je ne vais pas le répéter quand même. Mais monsieur le coach, avec la possession, c'est très bien, mais créer les occasions. Oui, mais on les a créées, tu ne l'as pas vu. Tu veux que je te les compte? Tu veux que je te les compte? Première, 3 de Lagué. C'est juste. Une de Dani. Hein? Deuxième mi-temps. Chouchi, la rentrée, il a fait 3 occasions de suite. Avec et une frappe et 2 centres de tête. Une balle arrêtée, deuxième ballon de gardien, on n'a pas eu la chance pour le mettre. Hein? Coup franc excentré, centre, deuxième ballon Mugunga, il l'a mis sur le ventre du gardien. C'est juste, ça fait combien ça? Comment le ballon arrive là-bas? C'est moi que je l'amène avec ma main? Non, c'est le pied des joueurs qui l'arrive là-bas. Hein? C'est un s'infiltré, il a tiré, deuxième ballon encore dehors. Oui, tu crées 9, 10 occasions, c'est bon. Hein. Mais la réalisation, pour aujourd'hui, il n'y a pas de réalisation, ce n'est pas la fin du monde. On va travailler sur ça, mais les autres matchs, il y avait de la réalisation. On va travailler. Toutes les attaquants du monde passent par des moments difficiles. Toutes les équipes du monde passent des moments difficiles. On est invaincu jusqu'à maintenant. On ne perd pas les matchs. On domine, on joue, on arrive. On est au tiers défensif adverse. On ne marque pas, on doit travailler sur ça, c'est tout. Voilà. C'est du travail, il faut travailler. L'équipe adverse, c'est une équipe qu'on la respecte et le classement parle pour l'équipe. C'est une équipe qui possède 14 points. Elle est au 4e place. Aujourd'hui, ils ont 15 points. Ils ont 3e ou 4e place. C'est l'équipe de top 5. Alors, ce n'est pas un adversaire facile. Il ne faut pas dire que... Mais l'équipe, elle est au top 5 de la Ligue de Rwanda. On a joué, on a dominé, on les a respectés, ils nous ont respectés. Très bon match, très bon niveau, niveau très élevé, respect pour l'adversaire. Il nous a compliqué la tâche. Nous, on l'a compliqué la tâche. Et c'est coup pour bénéfique, coup pour le football. Hein. Monsieur le coach, on a vu Djabel sortir. Qu'est-ce qu'il a dit? Djabel. Oui, Djabel, il a senti quelque chose dans l'ischio jambier. On va voir avec le médecin. Demain, il va aller à l'hôpital pour faire une radio et on verra ce que ça va donner. Ton impression, tu vois qu'il peut jouer pour l'équipe nationale? Oui, nous, on travaille pour l'équipe nationale. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Et toutes les équipes travaillent pour l'équipe nationale. Hein. Tous les clubs. On est là au service du football rwandais, au service du football national. Mais la blessure de Djabel, ce n'est pas moi qui l'a provoquée. C'est le jeu. Alors, on va voir demain qu'est-ce que ça va donner et après on décidera. Mais nous, on est au service de l'équipe nationale, on est pour l'équipe nationale et on travaille pour l'équipe nationale qui est l'équipe nationale du Rwanda, qu'on présente la Ligue de Rwanda. Et tout le monde, c'est bénéfique pour les catégories des équipes nationales, soit junior, soit espoir, soit senior. Voilà. Merci. C'est bon? Agréable soirée, merci beaucoup. Nibukunda makuri y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa.